Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entraide Live, où nous poursuivons donc l'aventure Berserk. Ah ouais, et donc on peut refaire toutes les missions comme on le veut en fait. Mais chaque fois, pour refaire les missions qui nous manquent. En fait, les petits points jaunes, c'est les missions réussies, les points gris, c'est les missions fail. Bah, écoutez, hein. Ah, et là, on commence l'invasion de Shooter. Ah ouais, déjà, quoi. Oh, et j'ai le choix du personnage. Oh. Allez, juste pour tester, on va essayer avec Casca. J'ai envie de jouer Casca parce que c'est mon personnage préféré du manga, je tiens à le préciser. Et j'expliquerai plus tard pourquoi. On va prendre ce qui booste le plus l'attaque. Ok. Ah, on peut changer des stuff, hein. On peut changer ça contre quoi? Ah, on peut les faire upgrade. D'accord. Ah bah allez, on va le faire craquer, hein. Maintenant, t'es esquivant, t'es trucs sympas. Ça, ça a l'air bien ça. Ouais, mais je perds une... Ouais, non. Voilà, on est bien comme ça. Alors, armée info, donc casque à Griffith. Alors, il y a que des officiers de l'armée de Shooter, ok. Alors, condition de victoire, capturer le château. Condition de défaite, aucune. Ok. Griffith possède un immense charisme. Ses soldats se battent sur Griffith sans le moindre signe de peur. Ni lâcheté, ni rien, hein. Sans le moindre signe de peur, quelle que soit la situation, ils ont une foi totale en Griffith. Il lui donnerait sa vie et il a décidé qu'il se battrait pour l'armée du Midland.
Et pour montrer qu'ils ont une paire de couronnes, ils ont décidé de prendre une forteresse en leur nom. Ah, j'ai l'impression que c'est la première forteresse. Enfin, c'est. お前の活躍楽しみにしているよ。いきみすぎるな。よし、行くぞ。 Ah oui, c'est... Ah ça, par contre, c'est un peu moche, hein, les mecs, hein. D'avoir recyclé la même map... Ah ben non, suis-je con. C'est la reprise de la forteresse qu'on a pris avec Guts. Ben oui. Attends, je me rappelle plus si c'était dans le manga, ça, ou pas. Ce manga de jeu est vraiment cool, bordel. Attends, j'ai l'impression que... Bon, après, vous allez me dire, c'est tout à fait logique, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle tape moins fort que Guts. Ah, là, ok, là, je dois faire une massacre de petits mobs. Vite, mon canasson. Non, mais il rentre sur le cheval, s'il te plaît. Il se passe des choses là-bas. Ah, je peux pas y aller à cheval. C'est un peu con vu l'attaque du truc, mais oui, ok. Allez, on va gagner un peu de temps. Mode rage. Par contre, c'est un peu con qu'on puisse pas lock un effet spécifique quand même. Hein. Ah, c'est ça son attaque spéciale! Ah, c'est à chier! Bon après c'est très cohérent par rapport au manga parce qu'en soi c'est Casca est une excellente guerrière mais elle n'a pas la puissance d'un Gut ou les capacités d'un Grimmy de combat quoi. Donc c'est cohérent. Ah par contre, elle se dépasse super vite. Ok, donc... Alors elle lui demande, est-ce que tu aimes bien la bande du Faucon, tu te souviens parmi nous? Et là il dit, je ne sais pas, c'est étrange, vous n'êtes pas comme les bandes de mercenaires habituelles. Mais... Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait faux, mais tu sais, avec Griffith, il a un tel charisme. Il explique que c'est vraiment que tu... C'est parce que Griffith a un tel charisme, en fait, il crée un son de gravité autour de lui-même, en fait. Et que tout le monde finit par être attiré par lui, que ce soit les criminels, les simples maîtres, les gosses. Et qu'ils finissent par céder à leurs convictions.
Grosso merdo, hein. Très très grosso merdo. まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った。せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。高野団も戦場での幾つかの勝利も。 Ouais, donc la Griffith, il dit je compte sur toi pour me suivre, Dios, parce que cette victoire est une petite victoire pour les Faucons, mais la grande bataille ne fait que commencer. Oreva, Oreno Kunio Teni, Irel. Omaeva Oreno Tameni Tatakai. Omaeva Oreno Mononandakarana. Et là, Griffith, il explique qu'en fait, il se bat pour avoir son propre royaume, en fait. Et là, il se demande, mais comment est-ce qu'il compte y arriver? Parce que, voilà, c'est pas un seigneur, c'est même pas un chevalier, c'est juste le chef d'une bande de mercenaires. Et il dit qu'il peut faire un homme seul. Est-ce que je trouve vraiment ma place parmi eux? J'ai passé ma vie à courir de champ de bataille en champ de bataille, à tuer, juste à survivre. C'est tout ce que tu m'as... C'est comme ça que tu m'as appris à vivre, hein, Gambino. Mais bon, on va reprendre l'aventure avec Guts. Hein. C'est Guts le personnage principal de l'histoire. Hein. Désolé, c'est son truc à lui. Hein. Même si j'adore Casca, sincèrement. Ah, il n'y avait pas de mission sur l'invasion de Shooter? Ok. Ah oui, ben voilà les stats en fait, oui. Donc oui, effectivement, elle a énormément de techniques, mais elle a pas autant de défense et d'attaque que Guts, quoi. Mais elle a plus de PV que Guts. Bon, allez, on va reprendre Guts. Hein. En fait, on va faire comme ça, on va toujours faire up le petit level. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de taper comme une mouche en fait. C'est juste qu'elle tape beaucoup moins bien que... Ah bah donc là on a du stuff intéressant. Ça a l'air craqué ce truc. Oui, je prends que tes items qui boostent l'attaque hein, pour ma part. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a maintenant. Ah oui, d'accord, elle explose tout cette amulette.
On va vendre toutes nos merdes. On va up le collier par contre. On va bien le up. Ah, il lui en faut deux à chaque fois pour up, quoi. Et le magasin, il vend pas de... Non, il vend plus de matériel. Alors, armée info, Gus, Griffith, Pusco, Casca, Pippin, Rickert. Deux officiers, ok. En face, il y a que dalle. Alors, condition, battre tous les ennemis à sur la défaite. Ok, aucune... Par contre, l'émission pour le moment c'est gentil, hein. Aucune condition de défaite. C'est très très gentil tout cela. Ah, mais il y a une jauge de morale, donc il y a quand même des chances de perdre cette fois. Rassurez-moi, c'est pas juste que ça. Ah ben voilà, il y a tes maîtres de shooter là, allez. Ah ben voilà, là par contre je tape vraiment comme une brute avec Gus. Oh la vache. Ah ben d'accord. Je suis un peu déçu que ce soit pas la musique des films ou de l'anime, sincèrement. Il y a tes officiers ici. Allez, pas le berserk. Allez, on va faire un petit carnage. Ce jeu c'est Berserk et c'est fait par les gars de Dynasty Warrior. Et salut Espresso, comment ça va? Donc c'est Berserk et c'est fait par les mêmes gars en fait. Et c'est inspiré donc du manga, pour le moment, du manga du même nom. carnage. Mais je dois avouer que j'ai une préférence pour ce jeu là parce que je trouve que visuellement... Après, j'ai pas fait le dernier Dynasty Warrior après, donc si je dis de la merde, faut pas hésiter à me rattraper, mais je le trouve plus joli, visuellement parlant. Même si j'adore les Dynasty Warrior, hein. Paf, paf, paf. Ah, il y a encore tes lieutenants à se faire ici. Allez, une petite furie pour le plaisir.
Ah, ou désolé pour toi, je crois que tu vas vite te remettre, sincèrement. Surtout que la vache, quoi, ça tombe à un week-end, quoi. Ça pouvait pas être pire. Yep, il y a, oui, oui, il y a un truc d'inventaire et tout qu'on pourra, qu'on peut faire entre chaque mission, en fait. Donc tant mieux que je l'autre, tant mieux. Ah, par contre, il encaisse le truc là. Bah, tu vas mourir, espèce de sac à vin. Allez! Merci. Par contre, Lia, regarde-moi ça, comment il s'enfuit lui. Ça, c'est de la fuite, hein. En fait, tu ne crées pas ton personnage parce qu'en fait, c'est l'histoire du manga. Donc en fait, bah tu as les personnages du manga et tu peux choisir lequel que tu vas jouer en fait. Donc là, tu as Guts, le personnage principal de l'histoire, et tu peux choisir les personnages secondaires, etc. Ah ouais, on a bien looté, dites-moi. Donc c'est vraiment à ta sauce en fait. Mais attends, je vais te montrer à la prochaine mission un peu ce qu'on a comme personnage.人の温かみに触れ、白い高飛騎類傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。あ、いや、aucun souci、いや、aucun souci、 c'est pour ça que je le stream aussi hein. C'est pour faire découvrir le jeu aux gens et leur faire découvrir le manga en parenthèse hein. Il y a aucun souci au fait que tu ne le laisses pas. Et alors là, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que l'armée du Faucon est devenue une armée officielle du Midland. Donc, le Midland, c'est le royaume pour lequel on se bat. Et donc, on est devenu la bande, enfin, l'armée du Faucon Blanc. Et 3 ans viennent de s'écouler. C'est pour ça que Guts a changé totalement de visuel. Là. Vous voyez bien que son armure, c'est plus du tout la même. Et donc là, la guerre dure depuis 103 ans, quoi. Capitaine Guts. Qui a-t-il? Je m'appelle Gaston. Je suis votre second commandant, monsieur. Oui, parce que maintenant on est aussi lieutenant, on a monté en grade. Maintenant on est le capitaine de la force de choc, enfin donc de la première ligne de front de Griffith. Oui, capitaine, je donnerai mon mieux. Le manga est d'origine japonaise, mais l'histoire du manga hein, se passe dans tes mondes imaginaires. Mais ça se passe dans un contexte très proche de notre Moyen-Âge, début Renaissance. Ah d'accord, il y a des trucs où on ne peut jouer que Guts en fait. Ah merde, si j'aurais su, j'aurais joué Cascal et deux qu'on pouvait. Oh, ah mais non, je le sais. Donc regarde, donc là on peut pas les jouer, c'est bloqué hein. Mais on peut jouer ces personnages là. Donc on a Guts, le personnage principal de l'histoire hein, qui est donc un combattant avec avec une épée longue, gargantuesque et une force de malade. On a Judo, un expert en lancer au couteau. Cascal, une très bonne bretteuse. Et Griffith, qui a un maître au sabre qui fait assez bien le café. Bien qu'il a pas beaucoup d'attaque en fait. Et donc un peu pour te resituer l'histoire. Hein. Donc voilà, ça se passe dans un monde imaginaire, un monde de fiction, dans lequel les deux principaux royaumes, Midland et Tudor, sont en guerre. Ils sont en guerre depuis 100 ans. Hein, donc grosse référence à la guerre de 100 ans de France. Hein. Et on joue Guts, qui à la base est un mercenaire freelance, qui bosse pour le plus offrant. Et Griffith, donc le mec aux cheveux blancs là,
nous a recrutés après un duel, parce qu'il a vu qu'on était ultra pété, il nous veut dans, dans sa bande. Il nous a cassé la gueule et il nous a dit, mais non, tu travailles pour moi. Ok. Et donc on l'a rejoint et on fait partie de son armée maintenant. Oui, Guts est un boucher. Même dans le manga, franchement, je te recommande si t'as l'occasion, en allant à la Fnac ou en traînant sur internet et tout, regarde un peu le manga papier et tu vas voir Guts, et enfin surtout Berserk en général, c'est un manga brut de décoffrage, ultra violent, très sanglant et très gore et qui ne connaît pas le mot de la censure, sincèrement. Et tu vas voir, Guts, c'est un putain de barbare. Il massacre les gens, mais à coups de tatane faramineuse. D'ailleurs, le manga est tellement gore qu'il est interdit de le vendre en dehors de son emballage plastique. Techniquement. Bon, beaucoup de gens ne le font pas, mais techniquement, il est interdit de le vendre en dehors de son emballage plastique pour pas que de jeunes enfants dans le magasin puissent le lire en mode... En mode un peu furtif, on va dire. Parce que c'est vraiment un manga très but de décourage. Parce que non seulement il est très dur dans ses combats, mais il y a des scènes très choquantes et des thèmes abordés très choquants. Il y a des thèmes tels que l'inceste, le viol, la pédophilie même qui est abordée dans ce manga. Et je ne déconne pas. Mais c'est de la merde tout ça! On a rien qui booste l'attaque un peu. Oui, tu peux facilement trouver tes vidéos maintenant parce que le manga est actuellement en adaptation de série. Ils sont à la deuxième saison là. Et oui, tu peux trouver tes vidéos sur YouTube pour te faire une idée du manga. Bien que après, je recommande vivement de se faire la version papier du manga. La version papier est géniale. Mais oui, via YouTube, tu peux déjà te faire une idée du truc. Ça a l'air bien ce truc. Dans tous les cas, je vais acheter des pompos, ça c'est clair et net. Bah, par contre, je vais revendre un peu parce que j'ai trop de stuff, ça ressemble plus à rien quoi. Ok, merci Espresso, ça fait très plaisir et à la prochaine vieux. Et bonne soirée. Ah ok, lui il ne peut le booster qu'avec des redstone. Ok, lui c'est d'office redstone. Donc les redstone je vais les garder. Ah, je peux le up avec une redstone maintenant. Ah non, la redstone je la garde pour le collier. Alors, info armée, donc il y a Guts et 5 officiers du Midland et en face un Black Ram Cavalry Commander, ok, 3 officiers. 3 officiers du Black Ram, ok. Ah ouais, il y a beaucoup d'officiers. Ah, ça va être une grosse bataille là. Là, ça va être bon là. Il va se passer des choses là. Ah, et là, il y a une condition de défaite. Si je perds tous mes officiers, je perds. Ok. Donc là, c'est vraiment une grosse bataille qui va se faire.
J'ai intérêt à être plus prudent là. Donc ça fait 3 ans que Guts a confié son épée, enfin se bat avec son épée au nom de la bande du Faucon. Il a été promu capitaine des forces de choc. Et là ils vont affronter la terrible... Le terrible bataillon des lances d'acier de cavalerie, des Black Devil, des démons noirs de Shooter. Ok. Ok, donc là on va se battre contre la première grosse unité de Shooter en fait. Et bon, c'est le carnage! Donc là, ils expliquent que... l'unité de lancier est en train de leur casser la gueule. Ah, lui, c'est le roi du Midland, lui, pour en fait. C'est un personnage important, je tiens à préciser. Ouais, donc en fait, ces mecs-là, ils font un carnage. Et là, on nous dit, bah, là, Guts se dit, ok, je vais aller les calmer, moi. Ok, faut déjà aller là-bas me battre. Donc là, on les envoie promener, on prend le cheval. Ah, et en plus, j'ai pas l'avantage en morale en plus. Ah, je vois. Allez, on se met en mode rage parce que j'ai besoin de récupérer le moral pour mon armée. Et pour ça, il faut battre des sergents. Ok, tu veux la jouer comme ça, bonhomme? Allez, une petite furie dans ta meule. Ah, on a besoin de moi là-bas. Allez, vite, mon cheval! Le cheval défonceur de mur, bien évidemment. Ah, par contre, les contrôles à cheval sont dégueulasses. Hein. Je vous le cacherai pas qu'à cheval, c'est une horreur de se battre. Ah. Ah.
Un nouveau lieu de temps qui rejoint la bataille. Allez, vite, donne-moi de la rage, faut que je m'énerve. Allez, une petite furie. Ok, il faut aller les aider parce que... Oh oui, ah oui, là il y a des trucs à faire. Ah, suis-je bête. Je voulais voir s'il y avait moyen de désactiver la furie en fait pour économiser ma barre, mais en fait non. Non mais monte sur ton cheval s'il te plaît. Sérieux? Bon, au moins la bataille est à notre avantage pour le moment, ça c'est bien. Allez, une petite furie. Ah, la mission est adaptée, faut que j'aille là-bas. Ah bah non, c'est bon, je suis bien là en fait. Pas de bêtises le jeu. Il me tire dessus au canon, sérieux.
Ouais, mais où c'est que tu vas, espèce de grand là, je viens de battre contre moi. Ah bah nickel, j'ai de la furie pour le dernier point. Alors évidemment, on casse tout avec... Ah, te voilà mon salaud. Allez, on se met en mode berserk pour tuer le général. Pourquoi? Est-ce que t'as visé à côté? Ah non, ça a touché, parfait. Ah, j'ai coupé en deux, ça c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Et là, ce mec-là, il dit mais c'est absurde. Non, parce qu'une simple bande de mercenaires, enfin une simple armée de conseillers de mercenaires a-t-elle pu faire battre une telle armée ennemie? Ah ouais, à ce propos, ces deux-là, c'est mes deux fanboys. Hein, je tiens à le dire à l'avance. C'est mes deux petites bitches. Hein. Et là, en gros, quelqu'un est venu trouver disant qu'elle avait besoin de nous parler. Elle nous prend à part, donc. Et là, le traite d'irresponsable parce que son but c'était de créer une diversion, pas de charger comme un gros con. Elle dit qu'on a eu que la chance de s'en sortir vivant. Et là, Guts, il est un peu en mode ouais, je m'en bats les couilles. Et là, elle nous reproche qu'on fait toujours à notre tête ou constamment. Et elle dit qu'on est juste bon à frapper de notre épée, qu'on est juste une espèce de chien fou. Et là, Griffith déboule et dit non mais Casca, fous-nous la paix. Je dois parler avec Guts, casse-toi. Et lui, ça fait vraiment très longtemps, j'arrive pas à vous entendre, hein, vous deux. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Et là, en fait, oui, parce que Dieu, ça désobéit aux ordres. Hein. Et là, il s'excuse pour en fait de l'avoir fait, en fait. Et là, il dit, non mais, ne t'inquiète pas, ça faisait partie de mon plan. Ouais, parce qu'en fait, Griffith connaît vraiment réellement bien le caractère de Guts qu'il s'apprête à faire. Et donc, il prévoit toujours ses plans en fonction du caractère de Guts. Donc, Guts est vraiment un peu en mode freelance dans l'armée. Le bon level up. Ah, pas de pierre rouge malheureusement. Ça m'embête un peu. Ah ok. Donc là en fait en gros ils expliquent que Griffith vient d'être anobli. Enfin anobli, il vient d'être adoublé, voilà. Il vient d'être adoublé, il est devenu chevalier. Et donc maintenant ils font réellement partie de l'armée régulière du Midland. C'est très important tous ces facteurs géopolitiques, je suis à préciser.
Et là, donc tu vois tes nobles du Midland en fait, qui complotent parce qu'ils trouvent que la montée sociale de Griffith est une insulte envers eux, quoi, parce que c'est qu'un simple mercenaire. Il ne devrait pas avoir le droit d'être. Il ne devrait pas avoir le droit d'être chevalier et d'être au même rang qu'eux, quoi. C'est inadmissible pour eux. C'est un roturier. Et croyez-moi, ça a réellement de l'importance dans le manga tout cela. Oh! Oh! Ah, j'ai débloqué des events. それにしてもでっけえ街だよね。王都ウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだな。C'était Diablo entre eux en fait. 何十にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても。なあガツ、鷹の段に。いや。Oh c'est chiant. ピピンよく食べられるね。食える時に食え。何が起きる？ピピン。Ouais, ok, c'est des dialogues entre les personnages. Bon, on va juste les zapper parce que j'en ai marre d'avoir le. Ouais, en fait, ça, c'est des phases de dialogue qu'il y a dans le manga, hein, et que. Bah, comme ils n'allaient pas faire un film jeu vidéo, bah, ils ont tapé. みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ、騒ごうよ。騒がねまた女に。うるせえ！いつか貴族になりやがって。そう。Ouais, alors il faut savoir que 大丈夫。上々だ。大。Ouais. Donc il y a ouais. Casca もあいつのことが気に食わねえ。グリフィスが決めたことだ。なんで？ Ouais. Ça c'est un peu dommage. Enfin dommage non. C'est bien d'avoir essayé d'introduire ça dans le jeu parce que vraiment c'est vrai que les interactions entre les personnages comptent énormément surtout dans le premier arc. Mais je sais pas. Je trouve ça un peu dommage d'avoir introduit. Bah évidemment je vais faire le story mode. J'ai quitté le story mode. Ah merde, quel con. Je trouve ça un peu con d'avoir d'avoir résumé ça à ça quoi. C'est... J'aurais préféré qu'il y ait des mini cinématiques avec le moteur graphique du jeu et qu'il introduise ça. Et qu'il montre à quel point enfin l'évolution entre les interactions sociales de Gus avec la bande du faucon, etc. Ça aurait été vachement sympa. Et ça aurait donné de la durée de vie au jeu. Parce que là, j'ai l'impression de. Mais de le battre à une vitesse. Parce que là, on est quand même. On est quand même à Zod, quoi. Alors que Zod. C'est après. Une bonne grosseur et demie de film qu'on le voit, quoi.